polosa et simba lisute pour makam na moni kuna baton ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sang comme il faut place no always at sous te ah oyoki allez quitter polosa on na ba chama ni na kale na lomo na ke kuna na ke kuna lava ah on nous on arrange na comment pocket ah aïe. Vraiment. Qui sait quoi? Et en plus, il y a des gens qui ont partout en Europe, dynamique, qui ont partout en Europe. À ma coquette, mon salaire est commis sur partout. Tu as commis la Suède, tu as commis la Paris, tu as commis la Lille, tu as commis la Bruxelles. Et puis, base de la vie suédoise est toujours Londres, Angleterre. Puisque la dynamique Congo, deux ans pour avancer dans le colo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre. Vous êtes nombreux. Aujourd'hui, c'est mardi. Vous nous suivez de partout. Au moment où nous tournons, vous suivez cette émission. Nous sommes dans un avion, certainement. Et si Dieu nous le permet, on atterrira gentiment et calmément dans la ville, la capitale de Kinshasa. Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue. Il est vrai, depuis dimanche, vous suivez l'actualité qui a pris une autre tournure. Martin Fayulu qui est rentré à Kinshasa triomphalement, il faut le dire, le reconnaître. Il revient juste après la transformation de leur plateforme politique, plateforme électorale, en maintenant un regroupement politique si vous le voulez. La Mouka New Look a maintenant un nouveau dirigeant. Mais quel avenir pour la Mouka? Aujourd'hui on en parlera, mais aussi la question de Fayulu. La question de Martin Fayulu et son avenir politique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons parler aussi de 100 jours de M. Félix Tshisekedi Antoine, président de la République démocratique du Congo. Nous parlerons bien évidemment de la question du Premier ministre qui sont réellement primaturables. On ne sait pas, peut-être quand l'émission sera diffusée, on aura déjà un Premier ministre. Peut-être. Mais bon, que cela ne tienne, le profil restera le même, on en parlera. Je dois déjà rappeler aux Congolais que le Premier ministre n'est pas une blague, mais c'est plutôt un signal fort. La qualité d'un Premier ministre détermine la qualité de tout un gouvernement. Si vous avez un Premier ministre opaque, un Premier ministre truillard, un Premier ministre qui a un vide à l'intérieur de lui, qui manque le leadership, qui manque l'autorité, qui n'a pas une vision, eh bien, rassurez-vous d'une seule chose, le Premier ministre aura des problèmes et son gouvernement en aura aussi. Vous aurez, comme on a vu dans le temps, un Premier ministre, mais qui n'a aucun pouvoir sur un ministre, aucun pouvoir sur un administrateur, aucun, parce qu'il lui manque le leadership, il lui manque la plénitude du pouvoir. Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue. Réfléchissons à froid. Martin Fayulu est rentré à Kinshasa. Martin Fayulu a été accueilli par une très bonne frange de la population. Les gens sont allés l'accueillir à l'aéroport. Il y en a d'autres qui l'attendaient au stade, je dirais au terrain Sainte-Thérèse à Kinshasa. Mais il y a un questionnement. Le questionnement, c'est que à quoi sert une popularité quand vous n'avez pas l'impérium? Ce sont des questionnements qu'on se pose toujours. Monsieur Étienne Tshisekedi, parce qu'on les compare très souvent à Étienne Tshisekedi, même quand on sait que c'est deux personnes totalement différentes, deux personnalités totalement différentes, deux démarches totalement différentes et deux visions qui par moments s'opposent vraiment. Aucune fois Étienne Tshisekedi a reconnu Kabila Joseph comme président de la République. Aucunement. Mais il y avait des faiblesses dans l'action de Étienne Tshisekedi. Un peu comme aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de faiblesses dans l'action de M. Martin Fayulu. Mais j'aimerais reprendre un élément important pour faire comprendre aux Congolais que la vérité est têtue. Et nous devons être logiques dans ce que nous faisons, sinon ça va être compliqué. Regardez. Au départ, ça part déjà à partir de Genève. Même si vous voulez en Afrique du Sud, il y avait déjà eu un problème. En Afrique du Sud, on arrive à Genève, les choses se compliquent. Bon, parlons de Genève. Genève, on décide qu'on crée une plateforme qu'on appellera la Mouka. La plateforme qu'on appelle la Mouka n'a que 5 leaders.
Deux autres leaders sont partis, il s'agit de M. Félix Tshisekedi et M. Kamere. Les deux partent créer ce qu'ils ont appelé le cash. Et ceux qui sont restés dans la Mouka se sont décidés de poursuivre le combat et de remporter la victoire, de devenir président. C'était ça la logique. Cash aussi de la même manière. Mais regardez, la Mouka a commencé déjà avec une autre idée dans la tête. L'idée c'était, on n'ira pas aux élections avec la machine à voter. Tout ça, c'est simplement pour vous rappeler l'histoire et pour faire comprendre la constance dans la logique des choses. Nous soutenons tous Martin Fayulu qui a été élu, je veux dire élu, pas désigné, comme c'était en Afrique du Sud. Élu. Ça veut dire cette personne allait décider sur l'avenir de 80 millions d'habitants. Bon, on n'est plus là-bas. Maintenant, nous sommes dans une logique où Martin Fayulu est porté à la tête de la Mouka comme porte-étendard. Suivez la réflexion convenablement. Maintenant que, déjà au départ, on commence, il faut rappeler que, au-delà de l'inconstance, je continue à estimer que Bemba, Monsieur Bemba, excusez, Monsieur Bemba, Monsieur Mboussa Nyamoussi, Monsieur Mozito et Monsieur Matungulu, le 4 n'avait aucun problème de justice au Congo. Donc, personne ne pouvait les interdire de venir assister leurs frères. C'est ça la logique, n'est-ce pas? Je prends le côté de cash. Il n'y a aucun endroit où Monsieur Félix est allé seul. Il n'y a aucun endroit. Quand ils allaient dans leurs histoires, Monsieur Kamer était là, Monsieur Tshisekedi était là. Mais quand il s'agit de la Mouka, vous allez vous rendre compte que c'est Monsieur Mozito qui est resté, je dirais, une sorte de... Qu'est-ce que je veux dire? Une sorte de fidèle, quoi. C'est lui qui est resté avec lui. Monsieur Mboussa Nyamoussi, non. Monsieur Bemba, non. Monsieur Katumbi, on l'excuse, il avait des problèmes de justice, il ne pouvait pas venir. Mais les deux autres n'étaient pas là. Ce qui fait que même la majorité de voix que Monsieur Fayulu a eue à l'Équateur, il s'est passé des choses qu'on ne vous dira peut-être pas. Parce que les gens sont méchants, ils ne le vous diront pas. Nous sommes de l'Équateur. En fait, nous sommes rentrés de l'Équateur. On arrive à l'Équateur. Nous essayons de questionner les gens. Parce que dans toute l'humanité, dans l'histoire électorale, le jeu se joue la nuit électorale. C'est là où les choses se jouent. Ça veut dire, si l'élection est dimanche, la nuit, c'est là où les choses se jouent, la nuit de samedi. Si l'élection est prévue mercredi, c'est la nuit de lundi que beaucoup de choses se passent. Cette nuit n'est pas une nuit au sens vraiment propre, mais c'est aussi au figuré. Ça veut dire les deux, trois derniers jours. C'est les jours où les choses changent, et dans la tête des gens, et dans les ambitions des gens. Mais la place cardinale, c'est le même jour lorsque les gens vont déposer, lorsque les gens vont à l'isoloir. Les scientifiques ont prouvé que plus de 20% des personnes changent d'avis le jour de l'enrôlement, le jour de l'isoloir. Bon, il y en a qui veulent pas, hein, qui ne veulent pas pousser les réflexions plus loin. Mais vous poserez la question à des gens. Ils vous diront que je suis sorti de chez moi avec l'idée de voter. Monsieur Tshisekedi, mais si je suis arrivé au centre, j'ai rencontré une autre atmosphère, un autre environnement, un autre mot d'ordre, une autre histoire, j'ai changé d'avis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez en période électorale, lorsque vous allez dans une bataille électorale, vous devez affûter vos armes pour poursuivre l'affaire jusqu'au bout. Parce que la période électorale est une étape. Le jour du vote est une étape aussi. Mais la grande question commence après avoir voté. Comment vous faites la traçabilité de voix? Ce qui a manqué et à Cash et à la Mouka. Bon, on va laisser là-bas. On y va. On n'ira pas aux élections avec la machine. Très bien, on passe aussi. Monsieur Bemba ne vient pas, parce que si Monsieur Bemba était à l'Équateur, le voix que Fayulu a eu, Monsieur Fayulu a eu, ce voix serait triplé, peut-être quadruplé. Mais il s'est passé des choses énormes ce jour-là, des choses terribles ce jour-là. Des choses vraiment terribles. Quand je dis des choses terribles, je parle de la nuit. Il y a eu des gens qui ont été matraqués spirituellement, moralement, je veux dire, moralement, pour changer d'avis. Et il y a eu des changements d'avis de beaucoup de personnes. On les a rencontrés de beaucoup de personnes. Que Dieu nous aide à publier nos rapports. Que Dieu nous aide à publier ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Je crois que plus tard, les gens liront ça dans les livres. Plus tard, les gens suivront ça dans les vidéos. Parce
Parce que nous, au moins, nous avons fait ce travail-là, d'aller voir qu'est-ce qui a changé. Et vous posez vraiment à une dame la question. Qu'est-ce qui a changé? Parce que tu te dis déjà que moi, j'étais venu pour voter tel. Mais arrivé sur place, j'ai rencontré les autres personnes, ils m'ont dit autre chose. Ces autres personnes-là ne sont pas tombées du ciel. Elles ont été placées là pour matraquer, pour remettre en cause le choix de quelqu'un. Vous allez dire c'est contre la loi, ce n'est pas contre la loi. C'est contre la loi quand ça se passe dans le bureau, c'est quand ça se passe devant l'isoloir. Mais quand ça se passe à l'extérieur du bureau, ce n'est pas une infraction. C'est un truc d'éthique, tout ça, mais bon, ça reste vraiment dans le cadre de la loi, ce n'est pas une infraction. Alors je vais un peu plus loin. Monsieur Bemba, qui constituait un plus grand poids politique, plus que Kamere, plus que Mouzito, plus que beaucoup d'autres, il ne s'est jamais rendu lui-même. Les gens vont dire, non, mais fais pas du fixisme, non, mais bon, on laisse tomber. Ok, mais rassurez-vous d'une chose, Madame Hillary Clinton, quand il faisait le tour de son élection, à côté de lui, il y avait Obama, où il y avait des poids lourds du parti qui l'accompagnaient, ce qu'on n'a pas vu. Très bien, on laisse tomber. Nous allons un peu plus loin. Toujours dans la même quiétude. Petit à petit, quand on va finalement, et bon, ça je ne vous ai pas, je vous épargne la logique, il y a non, à celle qui voter la machine T, voter la machine T, on laisse cette histoire, c'est connu de tous. Maintenant qu'il y a eu élection, il s'est posé un problème du réalisme politique et du pragmatisme, je veux dire un peu aveugle. Monsieur Fayulu tombe dans la question, il y a réalisme politique. Il se passe une chose importante, c'est que Félix Tshisekedi, président de la République, élu président, proclamé provisoirement. Le temps court, nous laissons à la possibilité aux participants, aux autres participants, de bien vouloir apporter des preuves, et ainsi de suite. Vous avez vu la bataille judiciaire, ce qui s'est passé. Mais c'est à partir de là que la première fissure de la Mouka a commencé à se dessiner. Il y a eu une sorte de désintéressement des autres. Je comprends que les autres ont compris qu'on ne va pas gagner ici. Cette lutte, on l'a perdue. Mais M. Martin a continué seul sa lutte, ce qui est très bien d'ailleurs. Maintenant, aujourd'hui, M. Martin revient à Kinshasa. Avec la même logique, après transformation de leur plateforme. Ce que je ne suis pas ici, moi, en train de comprendre, c'est la logique de deux têtes au sein de la Mouka. D'abord, il faut dire, je félicite la Mouka d'avoir pris en compte le conseil qu'on leur avait proposé. Toujours ici, dans cette émission, j'avais demandé à la Mouka de ne pas procéder par la présidence, de procéder plutôt par la coordination. Et une coordination transitoire. Souvenez-vous, ici, il n'y a pas longtemps, j'avais dit ça et ils ont fait ça, ce qui est très bien. Mais là où ils ont commis une petite erreur dans la communication et court-circuité Martin Fayulu, c'est quand on nomme M. Katumbi le premier coordonnateur, au lieu de laisser celui qui est encore en train de travailler dans la question. Celui qui travaille dans la question, celui qui est comme une sorte de poumon, ce monsieur Martin. Ils auraient pu dire, Martin Fayulu, comme il est encore en train de vider la question de la vérité des urnes, une question cardinale, ce monsieur Fayulu qui devrait commencer. Mais regardez dans la nomenclature, il est juste derrière tout le monde. C'est lui qui sera président après tout le monde. C'est la logique que je ne comprends pas. C'est la logique que je ne comprends pas. Ça veut dire tout simplement que nous ne t'excluons dans la logique. Ou alors, ça veut dire que nous ne te suivons pas dans ta logique. Ce qui veut dire... Parce que regardez, il y a eu arrêt. Dieu sait faire les choses. Hein. Il y a eu arrêt de la Cour de cassation, cassant la décision de justice qui donnait monsieur qui condamnait M. Katumbi, donc qui l'interdisait d'atterrir depuis bien longtemps. Ça fait 2, 3, 4 jours. Donc aujourd'hui, M. Katumbi pouvait venir. C'est-à-dire dimanche, M. Katumbi pouvait être là au stade aussi. Pouvait être là. Mais pourquoi M. Katumbi ne vient pas au stade? Pourquoi M. Bemba ne vient pas? Ne serait-ce que participer à cette conférence, à ce meeting? Les gens vont dire que c'est une question d'agenda. Regardons-nous dans les yeux et disons-nous la vérité. Ce pays, nous n'allons pas le construire dans l'hypocrisie, nous n'allons pas le construire dans le mensonge. On le construira dans la vérité. Et la vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'assumer. Quand vous prenez une position, assumez cette position-là. Et donc, voyez-vous, vous avez vu comment on a court-circuité M. Martin Fayulu. On l'a court-circuité. Il vient seul faire la vérité, la question de la vérité des urnes. Or, dans Niouluk maintenant, dans Niouluk,
la charte de New Look ou la vision de New Look, ce n'est pas une vision de la vérité des urnes. Maintenant, c'est une vision de l'opposition républicaine au sein de l'Assemblée nationale, au sein des institutions de la République. N'est-ce pas ce qu'on avait conseillé à la Mouka? On leur avait dit, vous êtes la première force de l'opposition, organisez-vous, venez travailler dans les institutions et devenez opposants dans les institutions. Et ça sera une très bonne chose. Quand on aura une opposition institutionnelle, une opposition républicaine, je vais vous donner les conséquences qui peuvent venir de cet acte-là. Vous allez excellemment fragiliser le FCC. Pas cash. Pas cash. Parce que si cash a le soutien du FCC, c'est ce qu'on appelle la force de choses. Ne pouvons rien faire d'autre que ça. Parce que si cash s'associe à la Mouka, cash aura une infériorité numérique et donc le problème restera entier. C'est ce qu'il faut dire aux Congolais parce que les Congolais ne comprennent pas. Les gens disent non, mais il fallait Kafali, que ça Kangamana, Bandekona et la Mouka. En termes de notre régime parlementaire, ce régime politique, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président doit avoir la majorité au Parlement pour exercer librement ses fonctions. Mais lorsque le président n'a pas une majorité parlementaire, le président est obligé de coopérer très souvent avec la majorité parlementaire. Donc, si aujourd'hui Cash devait s'associer à la Mouka pour combattre le FCC, politiquement, ça serait difficile parce qu'ils n'auront toujours pas la majorité. Figurez-vous que Cash et la Mouka, même s'ils sont ensemble, ils n'atteignent pas 250 députés plus 1. Ils n'arrivent pas à atteindre 50 sénateurs. Ils n'arrivent pas à atteindre eux-mêmes 17 gouverneurs. Donc, ils sont dans une sorte de fragilité. Ils sont dans une sorte d'infériorité numérique. Et ça, c'est scientifique, mes frères. Vous ne pouvez pas l'imposer. Donc, le seul choix maintenant, c'était de payer de payer pour les erreurs de l'opposition dans son ensemble. L'opposition a échoué à... surveiller l'appareil électoral. L'opposition n'a pas surveillé l'appareil électoral pour finalement enlever la corruption, la corruption, mais aussi la fraude électorale. Non, l'opposition n'avait pas été dotée des instruments possibles pour rendre inerte, ou je veux dire pour rendre inutile ou inefficace la machine de la fraude enregistrée par le FCC. Voyez-vous? Donc déjà, alors dans ce cas, il faut parler plus. Maintenant, ce qu'on parle, on parle du pragmatisme politique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils ont la majorité parlementaire, ils sont nombreux, ils ont beaucoup de gens. Qu'est-ce que l'on fait? Nous devons travailler avec eux, faire une sorte de coalition. Et cette coalition, c'est aujourd'hui que j'entends les gens commencer à raconter. Ah non, l'autorité morale. Je l'avais dit, je crois que même lorsque encore la coalition n'était pas prête, lorsque même le Cash et FCC n'étaient pas encore prononcés de façon officielle. J'avais dit que M. Félix n'a pas besoin d'avoir peur. Coalition ou pas coalition, il gagnera. Parce que c'est lui l'autorité morale de la coalition. C'est lui l'autorité morale de la coalition. J'avais même donné les schémas. Qui est une autorité morale? C'est celui qui a la possibilité de rendre possible vos actions. Et aujourd'hui, celui qui a la possibilité de rendre possible les actions, ce monsieur Félix, ce n'est pas monsieur Kabila, parce que monsieur Kabila n'a aucun pouvoir d'État. Il est sénateur à vie, il ne peut pas signer un document, même d'une avenue, il ne peut pas. Il ne peut même pas signer un document d'une parcelle, il ne peut pas. Si ce n'est pas sa propre parcelle. Mais il ne peut pas signer un document qui implique l'État congolais, il ne peut pas. Mais monsieur Félix a tout le pouvoir. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc l'autorité morale d'une coalition pareille, ça ne peut pas être fait. Monsieur Kabila, pas du tout, ça n'est que monsieur Félix. Et que l'on veuille ou pas, je parle ici, je sais que le professeur de droit, le professeur Néhémie Moulania, pour qui j'ai beaucoup d'estime, me suit, il est une autorité là-bas. Il sait ce que je dis est vrai. Lui-même, quand il se dit non, ici c'est monsieur a raison. L'autorité morale, c'est... Monsieur Félix, c'est pas monsieur Kabila. Parce qu'une autorité morale n'est pas celui qui rapporte beaucoup de personnes. Non, une autorité morale, c'est celui qui peut rendre valable, valable vos actions, vos signatures. C'est lui qui peut donner effet à ces choses-là. C'est ça ce qu'on appelle une autorité morale. C'est celui qui peut rendre effectif
Voyez-vous? Alors, donc, je crois à un moment donné, on se dit, mais ok, c'est lui l'autorité morale. Donc, il était dans l'obligation de travailler avec le cash, avec le FCC. Mais donc, vous comprenez dans tous ces éléments-là, dans tout ce que nous sommes en train de dire, vous vous rendez compte qu'ici, il y a eu un problème très, très sérieux. Alors, nous allons poursuivre un peu dans la logique toujours. Monsieur Katumbi ne vient pas, Monsieur Bemba ne vient pas non plus. Les deux ne viennent pas. Monsieur Moussa Niamoussi aussi ne vient pas. Il y a toujours Monsieur Martin et Monsieur Mouzito. Alors, ils font un meeting au stade. On a vu, les gens sont allés les accueillir. Il y en a qui ont fait les spectacles, Batamoul Makolongoulou, tout ça. Vous avez vu ces gens-là. Mais le problème, il est où maintenant? Le problème reste maintenant dans le discours. La vérité des urnes n'est pas prise en charge par la Mouka dans son ensemble. Les autres trois autres ne sont pas là-bas. Ils veulent faire l'opposition institutionnelle, l'opposition républicaine. Et là encore, il y aura un débat, je peux vous le dire, hein, il y aura encore un débat. Si M. Bemba, M. Katumbi, M. Mouzito, M. Moussa Niamoussi et M. Martin Fayulu, si les cinq n'arrivent pas à comprendre que le jeu de l'opposition va se jouer maintenant entre leurs mains, ça va être compliqué. Parce que la question du porte-parole de l'opposition risque de devenir un problème sérieux. Cette question devrait être travaillée, traitée ensemble avant d'être traitée par des partis, par leurs partis, leurs regroupements politiques. Bon, ça, on va le dire après, mais vous me donnerez raison encore une fois, comme ça a toujours été le cas. Nous suivons M. Martin Fayulu nous dire, non, je ne suis pas opposant, moi je ne suis plus opposant, je suis le président élu. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la logique de l'opposition de la Mouka. Et je ne sais pas si tout le monde se comprend. Parce qu'il faut dire aux gens la vérité. On dit vérité dans la Mouka, dit bien. Martin Fayulu nous dit ceci, je ne suis pas dans l'opposition. Moi, je ne suis pas dans l'opposition, je suis président élu. Ça veut dire quoi? Alors que la Mouka dit que nous sommes maintenant dans l'opposition, nous allons faire l'opposition. Dans la Mouka, on trouve M. Martin Fayulu. Alors, qu'est-ce qui explique cette contradiction? En même temps, je ne suis pas dans l'opposition, ça veut dire que je ne suis pas de la Mouka. Dans la logique d'aller à l'Assemblée nationale, déjà que moi j'avais renoncé, je ne suis pas là-bas, je suis maintenant un président élu. Mais en même temps, lorsque vous êtes président élu, ce qu'on a retenu du discours de Martin Fayulu quand il arrive à Kinshasa, il dit aux Congolais que, écoutez, Kabi Félix Oxibiso Soni, a Teki Mboka et pas à Kabila. C'est les propos qu'il a dit. Mais j'aimerais réfléchir un peu sur ces propos-là, parce que c'est de notre travail aussi de réfléchir sur le propos. Félix a Teki Mboka et pas à Kabila. Il fallait qu'il y ait Boya, Tangu Kabila, Benga qui est pour nommer. Nous ne sommes pas ici en train de supposer. Non, ici nous sommes dans une phase d'affirmation. On affirme que monsieur a trahi, monsieur a fait ça. On affirme. Très bien. Mais maintenant, la question que je me pose, pour diriger le Congo, il vous faut beaucoup d'informations, n'est-ce pas? Parce que vous serez la personne la mieux informée. Je compare le cas de Martin Fayulu au cas de M. Obama en 2003, je peux me tromper de la date, 2003 ou de l'année, pardon, 2003 ou 2002. M. Obama sort de son silence. Il poursuit M. Bush au Sénat par une mesure de destitution. Ils veulent qu'on destitue, il y avait lui et Russell Feingold, je crois. Il fallait destituer Bush. Monsieur Obama a montré aux yeux de tout le monde les accords. Il a montré aux yeux de tout le monde les actes avec qui rendre guerre en Afghanistan inutile. Il a dit aux Américains, monsieur veut nous faire tuer, il veut faire tuer nos enfants. Cette guerre est une guerre inutile. C'est lui qui l'a prouvé. Mais comment monsieur Martin Fayulu, toujours m'invite dans un discours aussi sérieux, m'invite ne montrant pas les preuves. J'aurais bien voulu qu'il nous montre ne serait-ce qu'un papier. Parce que ceux qui battent sont là-bas, alors comment est-ce qu'on peut comprendre que la démarche n'a eu intellectuelle, la démarche n'a pas là-bas, est différent. Je ne comprends pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, tout le monde crie. Il y a eu un accord entre Kabila et Félix, accord faisant de Félix président. Très bien. Les gens disent, non, mais moi, Félix, il y a eu un deal. Mais vous ne pouvez pas comprendre que le deal qui est entre le FCC et le cash est un deal clair que tout le monde voit. Il y a même la signature. Papier, les documents, tout le monde a vu.
Je vous parle de ce document-là, ça existe. Qui ont signé le document? Ceux qui ont signé le document, à droite, à gauche, pardon. Non, je veux dire à droite. À droite, vous avez M. Kabound, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, et le professeur Nehemi Moulania. Ce sont les deux personnalités de ces deux regroupements qui ont fait ce deal-là. Ça veut dire ce deal Yango Yango Wana. Il n'y a pas un autre deal où les gens ont sauté. L'autre deal où ils ont monté. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à nous montrer ça? C'est la question qu'on se pose. Le deal dont M. Félix parlait était ce deal-là. Il a même dit ça aux États-Unis. Martin Falozo Kansaki a publié le deal où il y a déjà. En fait, vous criez sur des choses où il y a banni déjà. Et c'est ce qui me complique. Moi, je ne suis pas en train de comprendre ça. On a encore assisté à un discours normal de tous les jours, les chansons de tous les jours. Non, Batekimboka, Basaliboye, et tout. Sans aucun document. Pourtant, vous avez eu déjà plus de 3 mois. Pour ne serait-ce que travailler sur la question de cette vérité des urnes. Je vous ai toujours dit et je le dirai toujours, mesdames et messieurs, la communauté internationale ne prendra jamais au sérieux la démarche des opposants congolais tant qu'ils n'auront pas les éléments d'appui. Ce n'est pas comme chez nous, les blancs ne sont pas comme nous. Nous, nous croyons les gens sur parole, les blancs ne croient pas sur parole. Le blanc croit sur des papiers. Montrez ce papier-là, on en a besoin. Même moi qui parle aujourd'hui, le jour où vous me montrerez les documents en question, j'arrêterai. J'arrêterai. Parce que je ne peux pas que circuler dans mon lili, dans le loengue, non. Nous devons parler du formel. C'est ce qui est très important. Le document, où est-il? Mais il y a un élément que les gens ne comprennent pas. Une autre dimension que les gens ne comprennent pas. Lorsque Martin Fayou nous dit par exemple que Félix Tshisekedi a une bonne sur la réserve et la banque à terre et qu'Ignoso en une année a sali dans 3 mois au Baninga Basaki dans une année. Monsieur Martin ne comprend pas qu'Avomi Betalisa Sinamakolo. En ce moment, il est en train de dire que Bateau Bajiraki Liboso Bajiraki bien que le cas Félix Tshisekedi. Ceux qui Bateau Bajiraki Liboso Bajiraki bien, pourquoi vous les avez combattus? Je ne comprends rien alors. C'était le combat porté sur quoi? Si ceux qui ont précédé Félix ont fait bien les choses. C'était quoi la logique de votre combat? Parce qu'aujourd'hui, vous dites que celui qui vient après fait mal que les autres. Donc les autres faisaient un peu bien. Mais pourquoi vous les combattiez? C'est là que je ne suis pas en train de comprendre la logique, Wana. Mais on va plus loin. On va plus loin. Regarde, mesdames et messieurs, c'est la vérité. Vérité en gros. Financement, il y a 100 jours. Et là, financé dans 2 phases. Mbongo yaba entreprise publique, Nandambu ya mbongo ya banque. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire ma entreprise publique, ma kozoba mbongo na bango, yangonde ko financer. Le plan de financement en 100 jours, et dali kamera konukate, et dali ki clair, et mouna kiwana. Donc dire que a vidé ma réserve, ce sont des déclarations inutiles, des déclarations qui n'ont aucun fondement, aucun soubassement. Là encore une fois, aucun soubassement. Donc, vous comprenez que c'est on raconte des choses. Il y a eu un pont qui vient d'être créé. Le pont va créer en gros dans 40 jours. Ce pont qui n'a pas été créé pendant 18 ans. Mais le pont a été créé dans 40 jours seulement. La chose où il fallait trouver à Félix Tshisekedi, et M. Félix appelle sa biseau traçabilité Yambongoana. Bah, entreprise, ça qui est en gros, Ndengenini. Qu'il y ait un comité de suivi pour voir exactement Mbongo qui est la direction, Nini. Est-ce qu'il y a 200 francs et Bima qui libanda? Parce que nous devons être en mesure de dire Mbongo tout ça qui va dépenser Yango, Tala ou Tikala qui Yango. Si on n'est pas en mesure de nous dire ça, c'est qu'on est en train de nous tromper. Faire un pont, c'est bien, mais il ne faut pas que certaines personnes s'enrichissent en créant un pont. C'est comme ça que l'on construit un pays. On ne construit pas un pays dans les supputations, dans les déclarations simplement. Non, on construit un pays dans les propositions. Il faut aller au-delà de ce que l'on rencontre. Oui, bah, Tongi Pont, on est d'accord, on a aimé. Mais le président de la République doit ouvrir l'œil. Atala, est-ce que Mbongo ça va affecter qui n'a pont et travailler qui n'a pont? Est-ce qu'il n'y a pas eu de personnes qui se sont enrichies en construisant ces ponts-là? Parce qu'il faut que ceux qui Mbongo ont mis 100 francs dans l'État et que Moussala Moussala Moukona Balabala, il faut que Mbongo ait ça effectivement Moussala Wana. Sinon, on va la compliquer. Voilà un peu le discours là où nous sommes allés. Mais je vais terminer encore dans Eloko Moko très important. Congolais, Toi Eloko Moko, c'est très dangereux, place de Zokende. Vous avez suivi les chansons encore une fois, Oemamaki na Statna, Oemamaki na Terrain, Oemamaki na Snanzela Terrain, et Komawana. Des chansons comme quoi Félix a commis moi si à Kabila. Bon, on peut comprendre dans la démocratie, je ne sais pas, on peut comprendre ça.
Balouba, Basala Kiboé, ainsi de suite, Kingani, Akena Kiboé, Balouba, Bateki, tout ça, tout ça. Mesdames et messieurs, notre constitution, pour le bateau, éviter, faire comprendre Bango, constitution à Bisson, article 66, je peux me tromper, et lobby Boé. Au moins, tu me permets de lire notre constitution. La constitution dit ceci. Tout Congolais, article 66, tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolérance réciproque. Il en a en outre le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée. Et c'est exactement ce qui s'est passé encore une fois hier. L'unité nationale n'est pas le fait, je dirais que c'est un acquis important au fait, faut battre bas à la langue. On ne peut pas construire un pays sans unité nationale. Et nous devons prêcher par l'unité nationale. Mais regardez ce qui se passe maintenant. Lorsque vous prenez un homme, vous le réduisez na tribu, na ethnie, na race, c'est qu'en vous, il manque l'humanité. En vous, il manque l'humanisme. Parce qu'un être humain, et surtout un intellectuel, ne peut pas parler de tribus. C'est une menace à la quiétude. C'est une menace à la quiétude. Regardez les gens crier « Oh, Balouba, Bataliboé, Balouba, Batraitre, Balouba !» En réalité, ce sont des motifs de cassation. Et moi, je vais travailler sur la question. Je vais proposer, finalement, une proposition de loi. Je proposerai ça beaucoup plus au ministère de l'Intérieur. C'est lui qui va, le ministère qui sortira tout à l'heure. Je proposerai et je réserverai une copie au président de la République. Je réserverai une copie à la primature et je réserverai la copie, bien évidemment, à la police nationale aussi. Parce que c'est impensable dans un pays que des citoyens prennent en otage la question de la politique. Mais au-delà de ça, qu'on ait dans un viseur une ethnie. Je ne suis pas Louba, ni de père, ni de mère, ni de Soukinine. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Mais je ne comprends pas. Nous sommes en train de continuer cette histoire. Toujours batté. À l'époque de Mobutu, c'était Lingala qui était un peu traité de tout le monde. Mobutu est parti. Banga l'a marginalisé, bah, Équateur et tout. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Même à l'Équateur aujourd'hui, Bomonine est commis. Mais en même temps, les Baswahili étaient toujours visés. Baswahili. Et aujourd'hui, ce n'est plus les Swahili, maintenant c'est Balouba. Et vous allez voir ceux qui portent ces débats. Ce sont des intellectuels qui portent des diplômes, mais qui réduisent les débats sur la question. Moi, je me dis toujours, pour arrêter la question, il faut une loi. Cette loi va faire quoi? Je propose déjà que la gouvernance actuelle n'interdisait pas des marches. Ce n'est pas bien. Constitutionnellement, et dans ma baie. Boutique, à marcher salement. Seulement, dites aux partis, aux regroupements politiques, il y a des militants sur des questions des tribus, s'il y a une dérive, il y a Makambuya tribu et Tangami, Makambuya ethnie et Tangami, une chanson contre une ethnie, une chanson contre une tribu, le parti ou le regroupement politique sera pénalement poursuivable. Oui, pénalement. Les gens vont dire, mais comment vous allez attaquer une institution, une personne morale? Non, c'est les dirigeants. Les dirigeants doivent répondre à l'acte. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, et dans l'issue, on dit que pénal est difficile. Bon, allons-y dans le civil. Il faut que ces gens soient réprimés. On ne peut pas concevoir. Moi, je peux encore accepter Bofinga président. Je peux comprendre. Bofinga Félix, oui, tout ça. Mais vous ne pouvez pas parler des Balouba quand même. Non, il faut être sérieux. Si vous voulez vous attaquer à Kabila, attaquez-vous à Kabila, mais n'attaquez pas les Swahili ou les Katangais. Si vous voulez vous attaquer à Katumbi, attaquez-vous à Katumbi, mais pas aux Katangais. Voulez-vous vous attaquer à Bemba, attaquez-vous à Bemba, mais pas aux Équatoriens. Pas à la culture. Non, parce que si vous attaquez ces choses-là, vous attaquez le socle d'un État. L'État repose sur les ethnies, pas sur les partis politiques. La nation est basée sur les tribus, les ethnies, les clans. Vous ne pouvez pas attaquer ces tribus. Non, mais sinon, on est en train de scier l'arbre sur lequel nous sommes assis.
Si les Baluba constatent qu'ils sont menacés, ils vont se prendre en charge pour se protéger. Qu'est-ce que ça deviendra? Nous sommes dans un pays où les Baluba ont épousé les Bangala, les Bangala ont épousé les Swahili et ainsi de suite. Maintenant, lorsque les autres personnes se sentent menacées, vous voulez qu'il y ait divorce, vous voulez qu'il y ait des problèmes, les enfants seront divisés, et c'est ce que vous voulez. Dans un pays sérieux, on ne joue pas avec des questions de tribus. C'est qu'en France, on parle des minorités. Qui est ce monsieur en France qui peut aller dire les homosexuels sont des traîtres? Passez sur TV5, dites ça. Et puis, on va voir si vous allez passer demain. Non, nous blaguons. C'est des choses qu'il faut interdire. Et moi, je disais ceci pour terminer. Voilà ce qui va composer ma loi. Ce qui sera l'essentiel de cette loi que je proposerai. Je dirai ceci dans la loi. Lorsqu'un parti politique a laissé de propos contre une tribu ou contre une ethnie ou contre un clan ou contre une couche de société, ce parti-là devra faire 3 mois ou 4 mois sans aucune apparition. Ça sera ça la sentence. On dit parce que dans votre meeting passé, vous avez attaqué une tribu, vous avez attaqué une ethnie, nous prenons la décision de vous exclure. Vous ne pouvez plus aller soit dans l'endroit où on a, vous pouvez le faire ailleurs, mais plus dans l'endroit en question. Premier élément. Deuxième élément, si vous récidivez, vous n'allez plus prester pendant 3 mois ou pendant 6 mois. Bon, ça, sous prestation, ça va enseigner aux gens que, tant que vous êtes attaquez-vous aux individus, je suis d'accord. Attaquez-vous aux individus. Mais n'attaquez pas des tribus et des ethnies. Parce que c'est le socle de notre République. Si on arrive à le faire, on changera le pays. 3 mois plus tard, vous les attaquez là-bas aussi. Vous attaquez une tribu, on ferme. Et bon, au moins, la partie politique, dans 5 ans, ils ont la logique. Eux-mêmes vont enseigner leurs militants en disant n'attaquons pas les tribus, n'attaquons pas les ethnies. Attaquez les partis politiques, ce n'est pas un problème. Mais n'attaquez pas les tribus parce que c'est insensé. Mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de cette émission, je vous parle maintenant des risques du discours de Martin Fayulu. Mais aussi, ce que M. Félix est en train de faire, on parlera aussi de cela. 100 jours, c'est déjà. La primature, on doit voir aussi un peu clair là-dessus. Je sais que les gens vont dire, ah, Christian Président, vous critiquez Martin. Mais c'est loin, c'est la vérité. Sauf que c'est pays, bon, c'est bon. Sauf que c'est pays, c'est les gamboutés. Mais nous, on dit qu'à la vérité. Parce que le pays, au contour, on a vérité. On les a laissés faire pendant très longtemps. Mais voilà ce qu'ils nous ont amené. Aucune solution à Malunga. Aucune solution à Malunga. Jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis eux, c'est tous les partis politiques, rien du tout. Rien du tout. À chaque fois que le Congo veut sortir un peu dans l'eau, comment on veut, allez, batoubaye. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous dans la deuxième partie. Merci beaucoup à Obo Fortus et Likia. Je rappelle que cette émission est enregistrée à Lubumbashi, mais elle est diffusée pendant qu'on est dans l'avion. Je vous retrouve très prochainement dans les autres émissions. Merci à Omo Fortus, on était avec lui, on a passé des très bons moments. On se retrouve dans la deuxième partie, deuxième numéro. Et si mal souté, pour ma comme la monicuna, bâton va travailler dans Zambé. En tout cas, basse baquet moussika. Donc là va, yo ma mission à son pèse aux autres comme il faut. Place l'eau à où est-ce que tu souté? Ah, on a dit, allez, quittez. Polo ça, on est la bâtiment à la canne, on a l'homme à la kekuna, la kekuna. Là va, on nous a la range, non? Comment ok? Ah, aïe, n'y a pas de caca. Vraiment. Et en plus, il y a des gens qui ont partout en Europe, dynamique, qui ont commis partout en Europe. Maman Coquette, mon sala est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis, base la vie suédoise toujours, Londres, Angleterre. Puisque la dynamique Congo, tous les ans qu'on avance dans le Colo.